something? Sure, my friend. I'll send you the details. Salut à tous, c'est Sefaptic. Donc les gars, comme vous le savez, nous sommes bien le mardi 1er mars. Comme vous pouvez le constater, je suis en compagnie du poteau Ludo Shoot. Donc les gars, je mettrai sa chaîne en description. N'hésitez pas à aller le voir, ça lui fera super plaisir. Donc les gars, comme vous le savez, actuellement, il y a un don de véhicule mock à mock. Donc les gars, faut être honnête, il est quand même plus aléatoire que mock à mock. On est d'accord. Donc les gars, voilà, moi, il y a le poteau I Am Meilleur qui m'a montré... une autre manipulation. Donc les gars, j'espère que ça vous fera plaisir. Donc on va commencer par l'ami. L'ami, lui, personnellement, il n'y a besoin de rien du tout, juste du véhicule qu'il souhaite vous offrir. Par contre, devant votre mess bank à vous, bah, faudra qu'il vous positionne soit la MK2, comme tu peux le constater, ou sinon le Sparrow, ou sinon toi-même tu prendras un véhicule de Penji pour te rendre à ton complexe. Donc les gars, comme tu peux le constater, mon complexe voilà, se situe à Palais-Tobé. C'est pour ça que le poteau a préparé sa MK2. Donc voilà, le poteau, comme je vous ai dit, il a besoin de rien du tout, juste de vous ramener le véhicule modé au moment venu. Vous, personnellement, vous aurez besoin de votre mess bank. Dans la mess bank, on aura besoin d'un garage de fonction. Dans le garage de fonction, on va mettre un bus festival. Donc les gars, malheureusement, on aura besoin d'un bus festival et le bus festival devra être dans un garage de fonction, que ce soit le 1, le 2 ou le 3. Une fois que c'est fait, on aura besoin du complexe. Dans le complexe, vous mettrez une Elegir H8. Le but, c'est d'avoir le message complexe plein. La Elegir H8 sera remplacée par le véhicule modé que le poteau va vous offrir. D'accord les gars? Donc on va aller pas à pas. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais appeler le bus festival. Donc le point d'apparition, on s'en bat tout petit peu les steaks. Hein, d'accord les gars? Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais appeler le bus festival. Donc garage de fonction numéro 1, première place, bus festival. Voilà, le bus est arrivé, hein, d'accord les gars? Donc à partir de là, comme vous le savez, bah, le bus festival ne rentre pas dans les garages dans le normal, on est d'accord? Donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est forcer la porte du garage. Comme vous le savez, le bus festival là vient du garage numéro 1. Donc comme je vous ai dit, si tu veux le rentrer dans le normal, ça va pas aller, tu vois quoi? Donc comme je vous ai dit aussi, maintenant ce qu'on va faire, c'est forcer la porte. Donc les gars, il faudra le faire 2-3 fois, tu vois, jusqu'à temps que tu as le menu en haut à gauche. Ah bah tu vois, du premier coup. Donc les gars, une fois que tu as le menu, là ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire PS et on va rejoindre un bot. Donc là je vais le rejoindre, PS, je vais rejoindre le poteau et sur le premier message d'alerte, je vais refuser le message. D'accord les gars, c'est pour avoir les récupérations des détails beaucoup plus vite.
Une fois que ce sera fait, je vais faire marche arrière. Ensuite, je vais encore défoncer la porte. Une fois que j'aurai le menu que tu vois là, je vais accepter le message. Et pendant la cinématique, il faudra faire double PS et rejoindre le poteau et accepter tous les messages. C'est tout ce qu'il y aura à faire pour l'instant. Donc là, ce que je vais faire, c'est PS, rejoindre le poteau. Et sur le premier message d'alerte, je vais faire retour. D'accord les gars? Donc c'est parti. Voilà, donc là, je le rejoins une fois. Comme vous pouvez le constater, récupération des détails. Donc une fois que vous serez sur ce message, tu fais retour. À partir de là, on va aller plus vite. Hein, d'accord les gars? Donc là, je vais défoncer la porte. Dès que j'aurai le menu en haut à gauche, je vais accepter garage numéro 1. Une fois que j'aurai la cinématique, je fais double PS et je rejoins le poteau et j'accepte tous les messages. Donc là, je fais croix. Et dès que tu as la cinématique, tu tapes à double PS. Et là, on accepte tous les messages. Comme tu peux le constater, pour l'instant, nous sommes revenus. Là, on descend du bus. Et pour savoir si t'es bien bugué, bah tu sors tes armes. Comme tu peux le constater, je ne peux pas sortir mes armes. Là, je peux courir, je peux pas sauter. Ça veut dire que je suis en OTR. Là, mon poteau, je pense qu'il peut pas me voir. Moi, je le vois, mais lui ne peut pas me voir. Donc, à partir de là, le poteau, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller à mon complexe. D'accord, les gars? Donc, on n'a pas le même complexe. Si, par exemple, on a le même complexe, quand il va positionner le véhicule modé, c'est logique qu'il faudra qu'il allume son pavé tactile. Sinon, il va rentrer dans son propre complexe. Donc, lui, il a le complexe. Aux éoliennes, ça n'a rien à voir. Donc là, je prends la MK2 de mon poteau et on se rejoint à mon complexe, c'est-à-dire à Paléto B. Donc je vous dis à tout de suite. Donc les gars, c'est parti. Donc là, pour ma part, j'arrive à mon complexe. On est d'accord, mon poteau, lui, ne me voit pas puisque je suis en OTR. À partir de là, ce que vous allez faire, c'est vous allez prendre un véhicule de PNJ. Donc prenez pas un véhicule trop colosse, tu vois quoi, genre. Ouais, peut-être ça. Le but, c'est que le poteau retourne le véhicule sur le toit. Tu vois quoi? Donc, les gars, ça va faire rappeler des souvenirs à certaines personnes dans le temps. Rappelez-vous avec le complexe. Donc là, je vais prendre le véhicule de PNJ. Le poteau, lui, ce qu'il va faire, soit il prend une easy anticipation, tu vois, avec le tractopelle devant, là, ça, ou le Phantom Wedge, ou un véhicule qui puisse retourner votre véhicule de PNJ. En attendant, je vais aller à mon complexe pour avoir le message complexe plein. Donc regardez, je vais me mettre comme ça. Donc attends, je mets le pavé tactile. Voilà. Tu vois, je vais me mettre comme ça. Et le poteau, il va me pousser pour que le véhicule soit sur le toit, mais sur le complexe. En attendant, il faut que je fasse ça. Voilà, le but c'est d'avoir ce message là. À partir de là, votre ami, lui, prend soit le Phantom Wedge, soit un véhicule avec un tractopelle. Et le but c'est qu'il retourne votre véhicule sur le toit. Donc les gars, c'est parti. Donc là, mon poteau a pris son Phantom Wedge, a retourné le véhicule de PNJ sur le toit. Maintenant, le but c'est de faire croix. Une fois que tu as fait croix, tu fais pavé tactile, flèche du haut, tu arrives en bas et tu te suicides. En attendant, l'ami ramène le véhicule qu'il souhaite vous donner. Tu vois quoi? Et il va le placer sur le cercle jaune pour entrer dans votre complexe. D'accord? Et c'est là que je vous ai dit que si votre ami a le même complexe que vous, bah, faut pas oublier qu'il mette son pavé tactile. Mais comme là, on n'a pas le même complexe, bah voilà, c'est pas grave. Donc c'est parti les gars, le poteau il a appelé le véhicule qu'il souhaite me donner. Moi j'ai ouvert mon portable pour dire de ne pas rentrer dans mon complexe. Et le poteau va se diriger à peu près sur le cercle jaune. Voilà, à peu près comme vous voyez dans la vidéo. Donc là je peux fermer le portable, tu vois quoi? Voilà. Donc le poteau il a positionné le véhicule sur votre complexe, sur le cercle jaune. Vous, ce que vous allez faire, c'est sortir le téléphone portable. Tu vas marcher. Tu vas monter dans le véhicule et tu vas fermer ton téléphone portable. Donc là, je monte dans le véhicule. Et là, quand on va fermer le téléphone portable, on va avoir un message d'alerte. Et là, tu fais croix. Et là, on va écraser la Hélé Garage 8 que je vous avais dit de mettre auparavant.
Donc là, elle est guérée, je suis allé là. Et maintenant, je fais croix dessus. Voilà les gars, comme tu as pu le constater, bah, le véhicule de mon ami, il est dans le complexe. Donc les gars, voilà, il y en a pas pour longtemps, il y a juste quelques manipulations à effectuer et à partir de là, bah voilà, tu récupères le véhicule modé de ton ami. Donc voilà, mon ami a son véhicule, moi j'ai mon véhicule. Voilà, et puis le droit a super bien fonctionné. Donc là les gars, moi personnellement, bah, je suis toujours buggé. Regarde, hop. Donc à partir de là, bah, on peut toujours continuer le glitch, tu vois quoi? Ça fait que là... Ça fait que là par exemple bah, je renvoie le véhicule ou je remets une éléguera suite dans mon complexe, le poteau bah, ramène un véhicule, le positionne sur le cercle jaune et ainsi de suite il retourne le véhicule, tu vois quoi, et tac, tu fais comme tout à l'heure. Voilà, regarde, moi je suis tout le temps bugué. Voilà. Donc les gars, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. J'ai essayé de vous expliquer tout doucement. Vous inquiétez pas, je vous mettrai le PSN du poteau qu'il faut rejoindre pendant la cinématique. Et à partir de là, bah, récupérer tous les véhicules du jeu qui vous feront plaisir. Donc les gars, sur ce, je vous souhaite une excellente fin d'après-midi. Et je vous...